Bonjour, ici Christine Levicky pour le challenge J'arrête de râler. Ce soir, j'ai envie de partager avec vous quelque chose que j'ai appris par rapport à ce challenge, quelque chose qui m'a profondément aidé à arrêter de râler. Et cette chose, c'est « je fais ce que je veux ». Ce que ça veut dire, c'est que j'ai remarqué grâce à ce challenge que j'ai été à plusieurs reprises invitée dans ma vie, j'ai eu des occasions, des opportunités de faire des choix et de choisir ce qui me fait plaisir. Et quelque chose, par exemple, de tout à fait exceptionnel, c'est que j'ai choisi, avant de commencer ce challenge, de démarrer ce blog. J'ai choisi de démarrer ce blog parce que ça me faisait plaisir, ça m'amusait. Je m'amuse beaucoup avec ce blog. Je passe beaucoup de temps dessus, mais ça m'amuse. J'ai du bon temps. Et oui, j'ai plein d'autres choses à faire. Et oui, j'ai peut-être d'autres priorités. Et il y a peut-être des choses plus importantes que je pourrais faire. Mais ça me plaît. Ça me plaît d'investir de mon temps pour être sur ce blog, parce que ce blog me permet d'être profondément moi-même, de me faire des amis, de rencontrer du monde. Et donc, je choisis aujourd'hui de faire ce que je veux et d'investir de mon temps sur ce blog. Et ça m'apporte énormément de bonheur. Et ça m'apporte plein de raisons de parler, plein de raisons de célébrer. Donc aujourd'hui, je voudrais vous inviter, et ça a eu vraiment un aspect, un impact sur plein d'autres choses dans ma vie. Il y a plein d'autres moments dans ma vie, je me suis dit, ben finalement, je vais choisir le plaisir, je vais choisir ce qui me plaît, je vais choisir de me mettre dans des situations où je peux vraiment être moi-même, où je peux partager mes talents, où je peux dire ce que je pense, où je peux vraiment faire une différence, où je peux partager et où je peux être authentique. Et donc je voudrais vous inviter à vous poser la question et vous dire, est-ce qu'aujourd'hui dans ma vie, vous avez des opportunités d'être vraiment vous-même, d'être vraiment authentique et de vous amuser et d'avoir du plaisir. Et si vous n'avez pas assez de ça, eh ben, il faut créer un petit peu de changement. Au revoir.